Death Game. 넌 앞으로 12번 죽게 된다. 그리고 어떤 몸으로 깨어나도 무조건 죽게 된다. 내가 무슨 죄를 지었다고? 내가 너를 찾아가기 전 먼저 나를 만나러 온 죄. Je vais vous parler aujourd'hui d'un K-drama qui m'a secoué dans ce début d'année 2024. Death Game est une série fantastique sud-coréenne de réincarnation écrite et réalisée par Ha Byung-hoon en décembre 2023 et disponible sur Amazon Prime Video. Le K-drama se base sur le webtoon du même nom de Lee Woong-sik et Kool Chan, publié en 2019 sur Naver. Il met en vedette le très bon acteur So In-guk et l'excellent Park So-dam. Alors pourquoi je vous parle de ce K-drama? Composé de 8 épisodes d'allant de 35 minutes à 1 heure, Death Game nous fait suivre l'histoire de Choi Yi-jae, un jeune demandeur d'emploi qui a essuyé un grand nombre d'échecs pour avoir un travail. Depuis un événement traumatisant lorsqu'il allait à un entretien d'embauche, sa vie est très vite devenue un enfer et il a rapidement touché le fond. Il décide donc de mettre fin à ses jours en se suicidant et alors qu'il était sur le point de tomber en enfer, une entité, la mort, l'empêche d'y entrer et lui fait commencer un jeu de la mort. Considérant que le suicide est une insulte envers sa personne, elle va lui faire vivre l'expérience de la mort et de la réincarnation 12 fois dans 12 vies différentes. Sachant que chaque mort sera plus difficile et horrible que les autres, dans un rythme très bien ficelé, la série nous tient en haleine, elle nous fait passer par de nombreuses émotions et nous fait réaliser à travers les différentes vies que le personnage passe, l'importance de la vie. Possédant une line-up 5 étoiles d'acteurs et d'actrices avec notamment la jeune et talentueuse Go Yoon Jung de Sweet Home et Moving, l'excellent acteur Lee Jae-wook de Alchemy of Souls, Kim Ji-hoon, Lee Do-yoon, Chi-won de Super Junior, vous l'avez compris, le casting est excellent. Le K-drama met l'accent sur l'importance de la vie et possède une excellente morale sur un sujet qui touche fortement la société sud-coréenne. Il m'a personnellement très touché. J'ai été rapidement pris dans le rythme de la série. En 8 épisodes, je ne me suis jamais ennuyé. Donc je vous conseille fortement ce K-drama qui mérite une grande attention. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio et de me suivre sur tous mes réseaux.